Et bien la famille, salut, c'est Mike Bright, soyez bienvenue pour ce nouvel épisode de What Happened Stories. Aujourd'hui, cap sur Big Apple, à savoir cette ville qu'on appelle New York. Conquered jungle where them's are made up, there's nothing you can do. Yeah man! Aujourd'hui, on parlera hip-hop, soul, politique, c'est du lourd. Les amis, je vous propose de découvrir l'univers d'un photographe new-yorkais qui a photographié les plus grandes stars hip-hop de ces 20 dernières années. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose bien évidemment de vous abonner à What Happened Stories et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. Les amis, je vous propose de découvrir l'univers de Mel D. Cole. C'est un photographe autodidacte qui a grandi à Syracuse, à New York, et qui a taffé à Philadelphie, notamment dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation publique, mais qui a surtout découvert la photo grâce à son amour du hip-hop, d'un groupe notamment qu'on appelle les Soulquarians. Pour info, ce collectif, dans les années 2000, c'est ce qu'on fait de mieux en termes de hip-hop soul. D'Erykah Badu à D'Angelo, en passant par Jay Dilla, par The Roots, ils ont tous percé, et notamment un certain Common. Fan du rappeur de Chicago, il décide alors de shooter la star avec deux appareils photo jetables alors qu'il se produit au SOB à New York. Et à l'issue de ces clichés, il décide d'abandonner sa carrière dans l'industrie pharmaceutique pour devenir photographe à temps plein. Ainsi, en 2002, c'est le début de son épopée. Il va écumer les plus grandes salles de concert aux États-Unis et shooter les plus grandes stars de ces 20 dernières années en termes de hip-hop soul. À tel point qu'il va devenir carrément le photographe personnel de Trey Songz ainsi que de The Roots et même photographier la white party de P. Diddy, excusez du peu. Il va d'ailleurs mettre tous ses clichés dans un seul livre qui s'appelle Great. Bref, vous l'avez donc bien compris, grâce à son omniprésence sur tous les événements de la nightlife new-yorkaise, Mel D. Cole va être le témoin privilégié de l'ascension des plus grandes stars hip-hop. Mais en 2020, Covid oblige, c'est la fin de ses errances nocturnes, il va donc se tourner vers la photo de rue où il va photographier un New York en plein confinement. Cette série de photos intitulée Form the Car va être l'échauffement de ce qui va être le point d'orgue de sa carrière de photographe, à savoir la couverture du mouvement Black Lives Matter suite à l'assassinat de George Floyd. Et c'est à ce moment précis que le travail journalistique du photographe new-yorkais va prendre tout son sens et exploser au grand jour aux yeux du grand public. Il va capter les scènes les plus poignantes d'un mouvement qui va émouvoir le monde entier. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, au-delà de la couverture du mouvement Black Lives Matter, c'est qu'il a aussi documenté l'autre partie, à savoir les réunions, les meetings de Donald Trump. Il devait être le seul noir parmi les suprémacistes blancs. C'est juste oufissime. Je vous rappelle qu'à l'époque, le climat social aux États-Unis est extrêmement tendu. Il y a des émeutes dans tout le pays. Autant dire qu'il a eu les couronnes de le faire. Donc moi, je dis chapeau bas. Vous pouvez d'ailleurs, bien évidemment, retrouver l'essence de son travail à travers ce livre, American Protest. La photo du jour est pour moi criante de vérité. Elle fait écho aux événements qui ont lieu actuellement en Martinique et en Guadeloupe. Voilà les amis, j'étais très heureux de vous conter la story de Mel D. Cole. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout à partager. Merci encore et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre What Happened Stories.